Allez, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes partis pour 3-4 jours en Chartreuse à la découverte des plus beaux spots de la région. On commence aujourd'hui tranquillement avec un monastère, le monastère de Chartreuse, un endroit très connu ici car c'est ici que les moines apparemment fabriquent ou fabriquaient peut-être l'alcool, le fameux alcool de la Chartreuse, l'alcool fort, la liqueur. Donc voilà, nous sommes sur ce petit spot aujourd'hui avant de descendre à notre Airbnb parce qu'en fait on peut pas y aller avant 15h, donc on se balade un petit peu. J'en profite un peu qu'il n'y ait personne pour parler un petit peu plus fort et vous faire cette jolie intro ici. On a des conditions incroyables, un temps de ouf, il fait super beau, c'est magnifique, les couleurs d'automne qui commencent à arriver, enfin c'est un truc de fou quoi. J'ai pas pris le drone, j'ai rien pris, tout est dans la voiture parce que voilà, donc ici on va éviter de voler. Par contre c'est vrai que les spots au-dessus donnent vachement envie. Et en plus on va avoir un petit invité surprise dans la vidéo demain, je vous en dis pas plus, de toute façon vous le verrez dans la suite de la vidéo. Là on va continuer notre petite balade, aller se faire 2-3 petits spots, peut-être descendre sur la rivière un peu plus bas et se faire un petit peu de ciné-woop. Je vous laisse des petites images comme d'habitude et on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. C'est parti. Vous pouvez me rendre ça s'il vous plaît. Bon les amis, nous sommes sur un nouveau spot, on est à Charmansomme, il y a un petit peu de vent mais c'est magnifique, on a une super vue sur toute la Chartreuse autour, c'est incroyable, on a le soleil qui fait enfin une percée, c'était un peu compliqué, il faisait beau aujourd'hui mais c'était semi-couvert et tout, et là il nous fait une petite percée du soir, c'est magnifique. Donc on va sortir les drones, le FPV, le stand breaker, il est là, les satellites, et ils ont fixé, donc c'est l'heure d'y aller, j'en dis pas plus, je vous laisse des petites images et on se retrouve juste après, c'est parti. Je viens de voler en FPV, j'ai fait une lipo au moment où le soleil est sorti, il a fait une percée entre les nuages, le temps de ma lipo, le temps que je me pose et que je me dis Charles Mavic, il n'y a plus de soleil, il est encore là derrière les nuages et il n'y a plus de soleil, donc je vais pour l'instant ne pas le sortir. S'il refait une petite percée Charles Mavic, sinon ce sera juste FPV, voilà, et des petits plans au sol, je vous ai fait des petits plans au sol avec le drone, le soleil et tout, c'était joli. Voilà, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo, demain c'est une grosse journée, demain on va faire 3 spots dans la journée, ça va commencer très très tôt avec un spot, le premier spot, un spot que j'ai envie de faire depuis très longtemps en ciné-woop ici en Chartreuse. Voilà, on se retrouve demain avec un petit invité spécial que vous avez déjà vu dans mes vidéos mais que je retrouve ici par hasard ce week-end là en Chartreuse, donc on va passer la journée avec lui. Voilà, je vous laisse des petites images comme d'habitude, de toute façon vous avez l'habitude et on se retrouve demain pour la suite des aventures en Chartreuse. C'est parti.
ta mère Serva. Que j'ai coupé le sang. Bon, nouvelle journée ici en Chartreuse. Nous sommes au Cirque de Saint-Mesmes, un spot que je voulais faire depuis très longtemps. Et j'y suis enfin grâce à un invité qui est là aujourd'hui, qui nous fait découvrir la Chartreuse ce week-end. Elliot FPV. Attends. Ah. Voilà. Le petit Elliot, du coup, que vous avez déjà vu plein de fois dans les vidéos et tout, et que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu. Il était ici ce week-end, donc on s'est retrouvé aujourd'hui pour se faire une journée full drone. Trois spots prévus aujourd'hui. On commence ici au Cirque de Saint-Mesmes, du coup, et après on vous emmène sur deux autres spots. Je vous en dis pas plus encore. Vous allez voir des gros spots ici en Chartreuse. Donc voilà, là j'ai sorti le whoop, petite ligne et tout, c'était super. On va monter au-dessus, sortir le storm, un peu de Mavic et tout, ça va être stylé. Malheureusement, il n'y aura pas de soleil qui va venir percer dans le cirque aujourd'hui parce que l'hiver arrive et du coup, il est beaucoup plus bas et du coup, il va passer juste derrière la colline. Donc voilà, il n'y aura pas de soleil, mais bon, les images, elles vont être superbes, ça va être top. Et n'empêche, on va quand même se régaler. Hein. Oui, on va se régaler, c'est incroyable, hein, le spot, il est magnifique, hein, le passage sous le pont et tout, c'est trop bien. Du coup voilà, on va aller se caler juste au-dessus de la cascade pour aller taper la deuxième cascade qui est au-dessus et de faire la grosse ligne avec le Stormbreaker. Voilà. Bon on se retrouve là-haut pour la suite de la vidéo. C'est parti! Sur la cascade, je sais pas si vous allez m'entendre parce que en plus il y a Elliot qui me jette des trucs dessus. En bas il y a le petit pont où on était tout à l'heure, la cascade juste en dessous, et là au-dessus il y a la deuxième cascade. Oh, j'ai failli perdre mes lunettes. Oh, je l'ai en vidéo en plus. C'est ça de retrouver Elliot, c'est que le mec te lance des trucs dessus. Donc je disais qu'on va sortir le storm, le Mavic. Dommage qu'il n'y ait pas assez de lumière, mais bon, c'est pas... Oh putain, il commence... Ils m'en envoient partout. Bon allez, on sort les drones et on se retrouve après. En fait, t'arrives... Il n'y a pas de marge. Ah, ça y est, je te vois. Ah oui, regarde par les airs. Au revoir. Nouveau spot. On est au pont Saint-Bruno avec Elliot toujours. Ouais. Et là on a une lumière de dingue. On va pouvoir se faire des belles images en ciné whoop avec la rivière et tout. Ça va être incroyable parce que c'est toujours incroyable. Oh là là. Ah va va. Mais en vrai l'été, si elle était au moins, si elle était à 25 degrés, ça serait incroyable. Là, elle est 10 degrés max. Non, un peu plus quand même. Ah, ça va être fou en cinéma. Allez, on mange. Allez. On va manger et après, place aux choses sérieuses.
à Dendecrolles actuellement. Oh oui. Un spot mythique de la Chartreuse, dernier spot de la journée. Et on a fait une lipo déjà, il y a beaucoup de vent au niveau du col. Mais est-ce qu'on a le droit de voler en drone ici? Oui, on a le droit. Et mon moteur tourne, donc ça va clairement partir. Ça va clairement partir là-haut. Wow. Bon bah voilà, Dendecrolles, dernier spot de la journée, avec des conditions de ouf, un soleil radieux. Voilà, des conditions de ouf, c'est trop bien pour le coucher de soleil, ça va être... Quelle journée, quand même. On est quel jour? Bah, le 31 octobre. C'est le week-end d'Halloween, voilà, donc week-end de 4 jours, et on a des conditions de fou, trop bien. Là on est au col, juste en dessous du coup de la Dendecrolles. Là il y a Elliot qui est parti juste tout là-haut, voilà, et moi je vais y aller après. Après on va se faire balader un peu par le drone quand même, parce que ça souffle un peu là-haut. Mais sinon... truc de fou, voilà, la vallée, la montagne et tout, c'est trop bien, on se régale. Franchement, la Chartreuse, c'est magnifique. C'est trop bien. Par contre, il y a beaucoup de monde. Il faut faire attention avec les drones quand même, à pas survoler deux trois personnes reloues qui disent que le drone, c'est interdit ici, alors que dedans, c'est pas interdit. Et voilà. Du coup, petites images en FPV, petites images en Mavic, et puis après, on va se redescendre tranquillement à la maison. Et on reprendra la vidéo demain pour la suite des aventures en Chartreuse. Allez, c'est parti! Nouvelle journée ici en Chartreuse, troisième jour, enfin deuxième jour et demi on va dire plutôt. C'était surtout la journée d'hier qui a été très riche en drones. Comme vous avez pu le voir, on est allé faire du coup le cirque de Saint-Mêmes, on est allé faire le pont Saint-Bruno et on a fini à la Dendecrolles. C'était vraiment une journée au top. J'ai pu revoir Elliot, c'était top. On s'est fait une belle journée drone. Et aujourd'hui j'ai décidé de partir à pied depuis le Airbnb parce qu'en fait on est donc au Sapé en Chartreuse. Le nom du village c'est le Sapé en Chartreuse. Et à une heure de marche depuis notre Airbnb, à la sortie du hameau, on peut prendre un petit chemin de rando qui monte dans la forêt et qui arrive au pied de cette petite montagne qu'on voit depuis notre Airbnb d'ailleurs, c'est Chamchaud. Donc voilà, je suis venu me caler là ce matin, je suis monté à travers la forêt, j'ai le soleil qui a percé à travers la forêt ce matin, c'était magnifique. Donc voilà, j'ai pris mes drones, j'ai décidé de venir voler là ce matin. J'avais trouvé sur map cette petite prairie incroyable avec la vue sur la montagne juste au-dessus. Bon, il y a quand même deux bornes pour aller là-haut, donc je sais pas si je vais aller là-haut, surtout que ça souffle. En vrai, ça souffle pas mal ici au col. Donc si ça souffle là, ça veut dire que là-haut, ça va me balader comme pas possible. Et puis surtout, il faut faire attention quand je vais redescendre, à pas redescendre trop bas pour perdre le signal du drone en fait. Mais sinon, j'ai une visibilité au top sur toute la montagne. Donc voilà, je pense que ça va être top. Le Mavic, le Cinewhoop au-dessus des arbres et tout, ça va être incroyable. Et hier, un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que quand on était au pont Saint-Bruno, je volais en Cinewhoop avec Elliot, on se suivait tac et tout dans la forêt, c'était trop bien avec la rivière et tout. Et à un moment, on se sépare dans la forêt. Et moi je remonte la rivière et tout, toujours en analogique évidemment. Et c'est ce qui m'a trahi, c'est que j'ai eu un tout petit moment d'inattention et une branche fantôme qui est apparue au dernier moment au-dessus de la rivière par je ne sais quel miracle. Parce qu'en plus c'est dans des gorges, donc si le drone tombait dans l'eau c'était fini, je ne le retrouvais pas, je perdais le whoop, la GoPro, je ne pouvais plus filmer du séjour. Donc j'ai eu une chatte de fou et le drone, j'ai réussi à peu près à rattraper le truc, ça a cassé une hélice et il s'est craché dans les buissons. Je vous laisse un petit extrait maintenant. Donc voilà, vous avez vu le petit extrait, j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que j'aurais jamais retrouvé mon drone. J'en dis pas plus, je vous laisse des petites images et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. C'est parti les amis! We'll be right back.
Petite redescente après avoir fait chame chaude ce matin, avec vue sur le Sapé en dessous, le petit village où on est. Donc ça me fait une petite boucle de 8 km que j'ai fait ce matin. C'était bien cool, un temps de dingue. Franchement, c'était top. On a les couleurs d'automne et tout sur la forêt en dessous. C'est magnifique, là, la petite prairie et tout. Là, on se redescend tranquillement. Va aller manger parce qu'il fait faim. Pour l'instant, il n'y a pas de programme cet après-midi. On verra ce que nous dit le reste de la journée. À plus tard. Bon les amis, dernier jour ici en Chartreuse et on termine en beauté au fort du Saint-Hénard, ici juste au-dessus du village où on était. Du coup, ce matin, on s'est pris la pluie de ouf et là, avant de partir, le soleil qui a commencé à sortir, la vue sur Grenoble, la mer de nuages, enfin c'est incroyable, on a des conditions incroyables ici. Il n'y a personne, on est tout seul ce matin. En même temps, dès le 1er novembre, donc je pense que les gens ce matin, ils sont un peu flemmards. Et du coup, ben, je vais en profiter pour sortir le Mavic, faire quelques belles images avec les nuages et tout, c'est magnifique. Et terminer ce vlog ici. Je sais pas si je vais sortir le drone FPV, on va voir. Mais en tout cas, on va se faire une petite lipo en Mavic. Voilà, donc c'était 4 jours au top, on s'est régalé, des belles images. On a revu Elliot, c'était cool de le revoir, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. Du coup, ben, je vous laisse avec des petites images d'outro. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. Ciao l'équipe. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the